Bonjour les coloristes et bienvenue sur ma chaîne Lolicolo. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter le taille-crayon électrique 40 dash et surtout vous donner mon avis après 4 mois d'utilisation. En fait, pour la petite histoire, c'est un cadeau que je me suis fait de mois à mois pour mon anniversaire en janvier. Et je trouve que la marque a eu une jolie attention puisque dans le paquet, elle avait glissé une petite enveloppe, celle-ci. Et à l'intérieur, il y avait un petit mot, joyeux anniversaire. Bon, c'est une petite attention, je trouve ça assez sympa. Bon, voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc avant, comme tout le monde je pense, j'avais les tailles crayons qui sont connus dans le monde du coloriage, comme le Tigale, le Faber-Castell, j'avais... Le Tigale, non, je vous ai dit n'importe quoi. Le Dalle 133 et le Tigale. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs de Tigale. Ils sont très bien, hein, c'est pas la question. Mais là, on est vraiment avec le 40H à un autre niveau, clairement. Alors, c'est un vrai investissement. Donc, j'ai regardé pas mal de vidéos avant pour savoir si vraiment allais je me jeter à l'eau. Et en fait, elles m'ont convaincue. J'ai trouvé l'excuse de mon anniversaire. Voilà, voilà. On ne se moque pas. Donc, allez, on attaque la présentation. Pour commencer, donc, c'est... Voici la bête. C'est un taille-crayon qui est vraiment gros. Comparé, je ne sais pas, par exemple, à un livre. Voyez, vous avez un Kirby Roseanne. Là, je ne sais pas si je le mets comme ça. Voilà. Là, on se rend peut-être mieux compte. Il est vraiment imposant. C'est un gros taille-crayon. Donc, dans un premier temps, donc vous insérez le crayon ici, mais on fera une démonstration tout à l'heure. Et grâce à cette molette, vous pouvez régler le diamètre du crayon. Donc là, on est sur du 8. On peut aller sur du 10 ou alors sur du 12. Voilà, il y a trois niveaux, trois tailles, je veux dire. À l'arrière, vous pouvez régler, voyez, vous avez le petit schéma. Vous pouvez régler votre mine, donc très pointue. Hop, alors je vais me mettre comme ça. Vous verrez peut-être mieux. Il y a moyennement pointu et il y a pas pointu du tout. Moi, généralement, c'est celle-ci que j'utilise, la très pointue, parce que j'aime utiliser mes crayons très pointus. Voilà, un avantage aussi qu'il y a, c'est si jamais vous cassez une mine, pas de souci, vous avez ce petit bouton. Alors attention, ça va mettre le moteur en route, vous voyez, et du coup, ça permet de détacher la mine qui est coincée. Après, je vous avoue qu'en 4 mois d'utilisation, j'ai jamais eu de mine cassée, j'ai jamais eu ce problème, et pourtant, j'ai essayé tous les crayons que je possède, allant du drawing à des crayons plus fins comme les Giotto, enfin plus fragiles surtout, rien, ça a vraiment jamais cassé une mine. Donc c'est vraiment du très 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 bon matos, je trouve. Il est sur ventouse, hein, 4 ventouses qui permettent qu'il soit très bien fixé, qu'il ne bouge pas du tout. Que vous dire de plus? Donc, je pense qu'on a fait le tour sur le produit en lui-même. Après, le mieux, c'est de le tester. Alors, je vais prendre des crayons. Hop, là, c'est des Brut Funeur Macaron. Donc, vous voyez, la mine est à tester et à aiguiser, pardon. Je le mets sur 8. Hop, on l'insère. Attention, ça va faire du bruit. On le maintient légèrement et vous voyez... Mine bien pointue. On peut faire par exemple au minimum. Donc au minimum de la taille, ça donnera ça. Vous voyez. Après, ce qui est vraiment super bien, c'est que ça va très vite en fait. Moi, je m'organise en fait en début de colo, une fois que j'ai choisi mes couleurs, pour tailler d'un coup d'affilée tous les crayons. Alors évidemment, après, au fur et à mesure, vu que j'aime les moumines bien pointues, je fais des retouches. Mais vraiment, je trouve ça génial en termes de gain de temps. C'est, je sais pas, ça me prend 30 secondes pour tous les tailler au début. Hein, une dizaine, une vingtaine de crayons peut-être. Et ensuite, quelques petites reprises de là par là. Mais j'ai pas à sortir le Tigale, à tourner la molette,
C'est pas que je sois flemmarde, mais c'est que j'ai peu de temps pour colorier. Et du coup, ben, quand on colorie, on a envie de colorier et pas de tailler. Il économise, oui, je ne vous ai pas montré ça, je ne vous ai pas montré le bac. Il économise beaucoup les crayons. Vous voyez, ça fait. Mais ça, à la rigueur, pas plus. Enfin, je n'ai pas trouvé particulièrement plus que le Tigal. Mais bon, ça reste des copeaux très, très, très fins. Et surtout, le bac est vraiment gros. Donc, on n'a pas à le vider en permanence. Ben, depuis, d'ailleurs, depuis 4 mois que je l'utilise, je l'ai vidé une fois. Donc, c'est pas énorme. Un énorme avantage que j'y vois aussi, ça je l'avais vu en me renseignant sur la marque, c'est qu'il est garanti 2 ans. Donc s'il y a quoi que ce soit, pour vous dire comme ils sont sûrs de leurs produits quand même, parce que 2 ans, on peut entailler des crayons pendant ce temps-là. Donc cette garantie, elle est quand même intéressante. Je vous l'ai dit, ça taille tous les crayons, à part les énormes crayons, vous savez, comment ils s'appellent? Je ne me rappelle plus. Enfin bon, des crayons, mais par exemple, un drawing qui est quand même bien épais, ça le taillera sans souci. Évidemment, bon, mais l'inconvénient, on le connaît, c'est le prix. Franchement, il est très cher et c'est un vrai investissement. Alors moi, je l'ai acheté 89 euros directement sur le site Grandache en janvier. C'était vraiment pas cher, je me suis ruée dessus parce que j'avais carrément envisagé de me l'acheter sur Amazon pour pouvoir le payer en plusieurs fois, pardon, mais il s'est avéré qu'il était moins cher sur le site de la marque directement. Actuellement, je l'ai vu à 120,59 € sur Amazon et à 130 € sur le site Carandage. Donc vous voyez, il a bien monté. Sachant que sur le site Carandage, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez moins 10%. Je ne sais pas du tout d'ailleurs si c'est en ce moment ou habituellement, mais là, ça fait quand même économiser une petite somme. Là où je l'ai vu le moins cher, c'est à 106 € sur eBay, mais j'ai jamais commandé sur eBay, je connais pas vraiment. Et sinon, à 109 € sur le site Créastore, mais il faut rajouter la livraison à 8,99 €. Voilà, bah, écoutez, en conclusion, je crois que je n'ai pas besoin de vous répéter que je l'aime vraiment beaucoup. J'envisage d'ailleurs de le prendre en vacances, c'est pour dire, malgré son poids et malgré bah, le fait qu'il soit quand même gros et qu'il va prendre de la place dans les valises, mais vraiment, c'est devenu un indispensable pour moi. Peut-être un autre inconvénient qui est à citer, c'est qu'il est à prise. Donc, bon, c'est peut-être pas très pratique suivant mon coloris, sachant que moi, je le prends carrément pour colorier dans le jardin. Je tire une rallonge. Non, non, vraiment, je suis fan. Eh bien, écoutez, dites-moi si vous prévoyez cet achat ou pas, si vous pensez que c'est utile ou pas. Et puis voilà, je vous laisse en espérant que cette vidéo vous ait plu. Je vous laisse là. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et surtout à vous abonner. Bonne journée.